Minasan, konnichiwa. Ici Judaichi, j'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo vocabulaire, nous nous attaquons au corps humain et ses principales parties. Je vous ai dressé une liste de 12 mots de vocabulaire que j'ai estimé les plus importants à connaître sur ce thème. Le tout illustré avec nos animés favoris. Vous me suivez ? Le premier mot à connaître lorsqu'on parle du corps, c'est évidemment le mot corps, qui se dit en japonais karada. 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 Kanchigai shinai de kure yo. Zensei ja nakute, ima no hanashi o shiteru nda kara. Ja, kono sugata. Kimi no seishintai da yo. Nikutai wa buji da. Nara, me ga samete mo kono kuso mitai na karada ni modoru wake ja nai. Yes. Me ga samereba kimi no karada wa moto dori da. Venons-en maintenant à quelques parties du corps. La tête, en japonais, se dit Atama. 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 Ah, Atama ga itai. Ittai dou natteru nda? Densha mo ugoite nai shi. Kore ja kaisha ni mo iken shi, ie ni mo. Atta! Yukatta, okiteru hito ga ite. Le visage en japonais se dit Kao. 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 Kanoju ga motteiru no wa watashi kara ubatta mono. Watashi no kao. Watashi no namae. Les épaules en japonais se dit kata. 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 Ano, Ikuta-san wa? 林道の方に行ったけど、時期に帰ってくると思うよ。だそうですよ。少し待っていましょう。マシューさん、肩は大丈夫ですか? Les bras, en japonais, se dit Ude. 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 君は 死に向かう呪い。だからさ、その左腕、僕にちょうだいよ。あなたが欲しいのは私の腕。うん。今のところそれが一番使えそうだからね。Les mains en japonais se dit te. Te. La poitrine en japonais se dit Mune. 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 Le ventre en japonais se dit Onaka. 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 Zannen datta na. 403ban to onashi level ka. Kutta kutta. Mou onaka ippai. Hai, atashi mou onaka ippai. Te na wa
届で合格者なし。 Les jambes, en japonais, se dit 足。 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 Faites attention, le terme 足 désigne les jambes, mais aussi les pieds. Il vous faudra donc vous référer au contexte pour déterminer de quelle partie on parle. Hola, hola, monte à chaud, très à chaud. On a déjà chic, on a protesté, on a protesté, on a mouru d'azo. Ça y est, ça y est. Il est de gambane, là. La nuque, en japonais, se dit Kubi. 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 Omaera. Omaera wa imamade. Nani kangaete tan da? Sonna mono wakaranakutei. Koitsu no kubi o haneru koto dake ni shuchu shite. Issun demo chuchu sureba. Mou Eren wa torikaesenai. Koitsura wa jinrui no gai. Sore de juubun. Le dos, en japonais, se dit Senaka. 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 Yaaane! Watashi tachi bijutsu chiimu wa mou kinishite nai wa yo! Senaka no kizu wa dou? Daibu ii desu. Sou! Yokatta! Shokudou de yuuhan tabemashou! Et pour finir, les fesses, qui en japonais se dit Oshiri. 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 Yare yare. Kenkou kanri mo hisho no tsutome desu ne. Oldo-sama. Toshiyori no kazu sukunai tanoshimi o ubaou という no ka ne, Miss Longville. Oshiri o sawaru no wa yamete kudasai. Ahe, hoho, ahe. En conclusion, je vous ai dressé une petite liste de mots que j'ai jugés les plus utiles pour une première approche sur ce thème. Je ferai à l'avenir d'autres vidéos où je m'intéresserai à des parties plus précises du corps humain. En attendant, si vous connaissez d'autres parties du corps en japonais, donnez-les-moi en commentaire. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et agréable à suivre. Si vous appréciez mon contenu, faites-le moi savoir avec un petit commentaire, en likant cette vidéo, mais surtout en la partageant autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et cliquez sur la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos à venir. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Jaane.